Placé sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, l'établissement Nour Al-Anour pour la paix et la cohésion sociale, en collaboration avec le bureau du secrétariat préfectoral des affaires religieuses, les organisations et associations islamiques de Bofa et les cadres ressortissants de Bofa, a l'honneur d'annoncer au peuple de Guinée, les imams et érudits islamiques de Guinée, en particulier les 354 mosquées et les communautés des 7 sous-préfectures de Bofa et de la commune urbaine de Bofa, qu'il organise la 2e édition des lectures du Saint-Coran et des prières pour le pays les 7 et 8 novembre 2024 à Bofa. Au programme, lecture intégrale du Saint-Coran à 3 reprises dans les 354 mosquées des différentes localités et de la commune urbaine de Bofa sur fond de prières et invocations pour la paix, la cohésion sociale, le progrès de la Guinée sous la conduite du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et du CNRD le 7 novembre 2024. La grande conférence islamique à la mosquée centrale de Bofa, animée par Elhadj Mamadou Saliou Camara, premier imam de la mosquée Faisal de Conakry, Elhadj Souleymane Konté, inspecteur général des affaires religieuses, Elhadj Abdoulaye Kaba, grand érudit, et Elhadj Ismaël Ibrahima Camara, inspecteur général adjoint des affaires religieuses, autour des thèmes importants. Parrain, Elhadj Kramo Diawara, ministre secrétaire général des affaires religieuses, marraine, honorable Djenab Camara, ancienne députée, président d'honneur, Elhadj Seguna Souma, Kountigui de la Basse Guinée, président d'honneur, général Mahawak Silla, gouverneur de la ville de Conakry, invité d'honneur, docteur Dansa Kourouma, président du CNT, général de brigade Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence, Monsieur Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence, général Aboubakar Sidi Camara, ministre de la Défense nationale, général de section Ibrahima Khalil Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Monsieur Bouna Silla, ministre des Mines, Monsieur Fana Souma, ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur Oumar Djouéba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur Mourana Souma, ministre de l'Économie et des Finances, invité de marque, Monsieur Guillaume Hawing, DG CNSP, Elhadj Youssouf Youla et Frères, PDG de l'entreprise Youla et Frères, Elhadj Mohamed Mansour Fadiga, doyen des imams de Guinée, Monsieur Louis Camara, PDG de Kamsar Petroleum, Elhadj Amara Roméo Souma, directeur des services propres au gouvernorat de la ville de Conakry, honorable Alcène Kolia Silla, président des ressortissants de Bofa à Conakry, Madame Doula Adja Lucia Camara, entrepreneur, Elhadj Souleymane Bounduka Camara, président des grands marabouts de Guinée, ensemble, unis dans la piété et la dévotion, rassemblons nos cœurs et nos voix pour l'accomplissement de la lecture du Saint-Coran et des prières afin que Allah le Tout-Puissant répande sa grâce divine sur notre pays, la Guinée, à l'occasion de cette 2e édition des lectures du Saint-Coran, les 7 et 8 novembre 2024, à Bofa. Contact 626 31 33 16.